Allez, on est reparti là. En espérant que tout se passe bien. J'ai encore fait quelques petites modifications. Vous verrez plus tard, ça sera une surprise. J'espère que ça vous plaira parce que ça va être assez épique. Donc, c'est vraiment tout petit petit ça. C'est vraiment tout petit petit ça aussi. J'ai pas mis à cuire de la pierre moi. Alors pour faire joli, moi j'aime bien faire comme ça, c'est mon style, vous allez voir, c'est très beau. Mais c'est genre là où je mets la porte. Tout autour. Je mets un rondin de bois. Je trouve ça beau. Comme ça, puis là je mets la porte. Et bon, après il y a des murs. C'est petit, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bon, ça va servir de, je sais pas quoi, storage ou un truc comme ça. Whatever. Hop hop. Voilà, on va faire des petites portes là, on va mettre des petites fenêtres. Et on a une bête maison. Super standard. Bah quoi, elle est pas morte. Quoi cette histoire? Il y en avait deux en fait. Et puis moi je vous propose qu'on aille un peu visiter la campagne. Parce qu'on risque de... croiser quelques petites choses de ci de là, je sais pas. Mais bon, un peu établir notre campement là, parce que faut s'organiser, faire un peu les pièces à coffre et tout ça. Donc. L'idée étant ici de faire un petit peu chaque maison est assignée à son propre mode. Vous en savez que ça c'est la maison où il y a tous les trucs Red Power, c'est tous les trucs où il y a Buildcraft par exemple. Comme ça au moins on s'en tire un peu plus. Bon après c'est extrêmement petit, hein. Ça ne va pas du tout. C'est une maison de PNJ ça. plus de zone. Est-ce qu'on a du verre aussi? Alors moi je me dis aussi que cette petite mare là, on va la dégager. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime pas, ça me saoule, je crois que je vais foutre ma dirt dedans en fait. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est que cette bête là? Une rémantin. Et que c'est gentil. Bonjour. Grogne bizarre, la Rémanta. Il y a pas de minéraux là. Et voilà, je fais un courant. Allez, hop, on bouge tout ça là. Allez. Faut quand même se faire une petite source d'eau infinie avant. Ici qu'il faut boucher.
casse-toi. Hein. D'autres. Non, rien. Ah, c'est pas les vidéos les plus passionnantes, hein. Je suis d'accord. Mais bon, vous êtes pas obligé de regarder non plus. Peut-être vous pourrez attendre l'épisode 50, qu'il se passe quelque chose d'un peu correct, voir l'évolution. Voilà, bon, ben, j'ai pas besoin d'éduquer les chevaux, moi, hein. Ce sont mes amis. J'ai pas de foin. J'ai rien, les gars. C'est très emmerdant, d'ailleurs. J'ai pas de verre. Un petit peu, mettre la fenêtre. Déjà. Là. C'est rare d'être content de trouver du gravier, mais là, j'avoue que je suis assez content. Faire un échange standard. Ici. Est-ce que j'ai des torches? Il faut clairement aller éclairer. On peut marquer son territoire, hein, merde.
pièces, pas tout ça, mais aller faire dodo et manger un morceau. Ouais, tout de suite même. Parce que bon. Fait super peur le lapin. Waouh! Non! That's not fair. Méchant lapin. Moi j'ai plus faim. Alors ici je propose qu'on range toute la dirt par exemple. Bon, ça c'est pas de la dirt. Ça c'est de la dirt. Et ici la cobble. Ça déjà ça va nous dégager un peu la tête. On va mettre le gravel en bas. Voilà. Donc il était question de faire deux portes. Superbe. Je rentre dans la maison, j'ai peur. Il fait toujours trop sombre ici. Mais là aussi, il faut construire absolument les choses. Je crois que je vais tendre la maison en fait. Hein. De ce point de vue-ci, je crois que je vais. I don't like that. Bon. Alors donc voilà, peut-être faire une petite fenêtre ici. Ah mais ça va pas là. Espèce d'enfoiré. Sérieux quoi. Il doit être là, tu vois. Hein? Coucou. Bon, comme je suis en pleine forme là. On va aller en slasher 2-3. Bon, on mérite la mort. Toi, le scorpion. Hey. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je marche à l'envers? Voilà, ça se passe mal. Hein. Ah. Thank you.
Alors je sais pas si, comme moi, vous aimez pas les loups, mais moi j'aime vraiment pas les loups dans Minecraft. Quoi. Vous avez déjà vu des loups dans Minecraft? Eh ben vous avez de la chance. Parce que les loups dans Minecraft, ils sont horribles. Et à leurs grands frères, les loups-garous, alors je sais pas s'ils spawnent en normal, j'espère que non. Parce que ceux-là, ils sont intuables. What? Oh oh. Oh oh. Eh bien, les amis, je vous laisse là-dessus. Parce que la guilde est attaquée. Et là, je le sens pas complet, donc je sauve. Et je vous laisse à la prochaine fois pour une aventure épique, car on va aller tenter de sauver cette guilde, hein, que voulez-vous, même faudra une armure et tout quoi, ça va chier. Et puis voilà, à bientôt.